Professor Kess, innanzitutto grazie di essere venuto in Italia sull'invito della Società Psicoanalitica Italiana a parlare sia a Milano che a Firenze. E l'occasione è stata la pubblicazione di questo suo ultimo libro, Le Mal-être, il malessere, e ci dà l'opportunità di approfondire alcune questioni. La prima su cui vorrei sentire il suo punto di vista è proprio, riguarda proprio il titolo di questo suo ultimo libro, Le Mal-être, in cui fa un collegamento e una differenza rispetto allo scritto di Freud, Le Malaise de la Culture, il disagio della civiltà. Ci può precisare che cosa intende in questa differenza tra Le Mal-être e Le Malaise? Effectivement, il y a non seulement une différence dans le titre, mais aussi dans le propos. Dans le titre, lorsque Freud parle de ce que l'on a traduit en français par le malaise, et qui en allemand signifie aussi la gêne, il emploie, me semble-t-il, un terme qui est relativement faible pour décrire ce qu'il décrit. Et ce qu'il décrit est une réflexion qu'il a engagée depuis longtemps sur les relations, éventuellement les effets de causalité, entre les troubles psychiques et la vie sociale ou culturelle. Par exemple, dès 1908, il énonce un certain nombre de propositions sur la morale sexuelle de notre culture et les troubles érotiques contemporains, de la société contemporaine. Et son argument va se développer pendant tout un temps qui va passer par la période de la guerre, de ses souffrances personnelles, de ses deuils personnels, et qui va aboutir également à l'introduction, avec le tournant de 1920-21, à l'introduction de la pulsion de mort. Et Freud s'attache donc à comprendre, sous l'effet également des transformations sociales, économiques de la crise de 1929, de la montée du nazisme, du totalitarisme, Freud s'efforce de comprendre comment la culture a un effet pour se constituer, doit réprimer ce qui des pulsions est contraire à la vie collective et ce qui dans la réalisation directe des buts pulsionnels, notamment des buts destructeurs, met en place une société arbitraire, une société de violence. Et son travail se centre donc pour l'essentiel sur la vie pulsionnelle, sa répression, mais aussi sur la nécessité d'inventer des voies d'élaboration, de dérivation, de sublimation dans le travail de la culture, un travail qu'il définit comme interminable parce que la pulsion est là et produit ses effets, et notamment ses effets de violence si elle ne fait pas l'objet d'un accord ou d'un pacte de renoncement à la réalisation directe des buts pulsionnels, notamment des buts pulsionnels destructeurs. Je pense qu'entre 1929, où Freud met en place cette problématique, et qui demeure une problématique très forte dans la pensée psychanalytique, et que nous devons conserver, il s'est produit un certain nombre de changements, non seulement dans la pratique de la psychanalyse, mais aussi dans sa théorisation, et qu'il s'est produit également des grands changements dans le champ social, culturel, économique, politique. Nous ne sommes plus dans une période où nous pouvons ignorer la Shoah, nous pouvons ignorer le nucléaire, la globalisation, les changements liés à la migration, aux changements de référence culturelle, à les conséquences de toute une série de facteurs qui ont transformé non seulement la psychanalyse, mais aussi le champ dans lequel nous pouvons penser, à mon avis, non plus le mal-être, le malaise, pardon, mais plutôt le mal-être, c'est-à-dire une souffrance et en deçà de cette souffrance, un ensemble de facteurs qui mettent en question la capacité pour le sujet humain
y compris pour le sujet particulier auquel s'intéresse la psychanalyse, le sujet de l'inconscient, d'accomplir sa fin, de se subjectiver tout en étant membre d'un ensemble dont du Freud, il est à la fois le maillon, l'héritier, le serviteur et le bénéficiaire. Et c'est pourquoi j'ai parlé de mal-être. Et nous sommes dans une situation où la capacité d'être, donc, est violemment mise en question. Et d'un autre côté, nous avons appris, en développant les modalités de travail de la psychanalyse, avec par exemple la mise en œuvre de dispositifs psychanalytiques de groupe, travail en situation de groupe avec des analystes, et comme garant de la règle fondamentale et des capacités de faire émerger du sens dans les relations interpersonnelles, de la même manière qu'avec les thérapies psychanalytiques familiales, les thérapies de couple, nous avons été confrontés à d'autres conceptions du fonctionnement de la subjectivité et de ses impasses et de ses difficultés. Et donc, la perspective de Freud doit être complétée, revue, remaniée, repensée à la lumière de ses acquisitions. Et c'est sur ces acquisitions, qui concernent notamment l'inscription du sujet dans l'intersubjectivité, et qui concernent également le fait que la réalité psychique n'est pas seulement une réalité interne, mais une réalité commune et partagée dans les ensembles, comme les groupes, les familles, les couples, que j'ai essayé de faire quelques propositions sur la consistance de ce mal-être dans la société moderne, tout en pensant que les mêmes configurations ne sont pas les mêmes selon les cultures, selon les moments de l'histoire, et que peut-être les problèmes que vivent les sociétés en émergence, en développement, ne sont pas tout à fait identiques à celles que nous vivons dans les sociétés occidentales. Ma proprio la sua teoria dell'indebolimento di quelli che lei chiama i garanti metapsichici e metasociali non può produrre uno scoraggiamento e un sentimento di impotenza per affrontare queste questioni? Cosa può fare la psicoanalisi? Oui, c'est vraiment une question. Que peut faire la psychanalyse, pour reprendre la question à un autre niveau, que peut faire la psychanalyse lorsque Freud fait l'hypothèse de la pulsion de mort? Si la pulsion de mort est destruction, si elle est répétition, si elle tend vers l'abolition de toute tension, alors qu'est-ce que comment la cure analytique intègre cette question? Et le débat reste encore ouvert, puisque tous les psychanalystes ne partagent pas cette théorie de la pulsion de mort. Donc c'est une question qui, la question que tu poses, est une question qui se pose chaque fois que la conception même du fonctionnement de l'inconscient, ici de la pulsionnalité, de l'économie de la pulsion, se transforme. Et ça a été le cas déjà aussi avec la sexualité infantile. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la sexualité infantile? Nous avons maintenant le recul de l'histoire qui fait que nous avons plus ou moins utilisé ces notions, peut-être en les transformant, peut-être en les aménageant. Mais chaque fois qu'une proposition nouvelle est apparue, chaque fois qu'une extension du champ de la pratique psychanalytique a appelé nécessairement une transformation de la théorie, il y a eu ce type de questions, y compris avec des mouvements de réticence ou de résistance. Alors ce qui est introduit ici, c'est la proposition que la psyché du sujet, l'espace de réalité psychique singulier, inconscient, ne peut pas seulement se comprendre comme un espace clos, auto-généré, même si ces processus d'auto-fabrication, d'auto-genèse sont tout à fait pertinents à reconnaître. Et ce qui est à prendre en considération, et cela vient justement de cette extension du champ de la psychanalyse aux ensembles intersubjectifs ou plurisubjectifs, ce sont les formations qui sont spécifiques de ces ensembles, qui n'existent pas, qu'on ne peut pas repérer, sinon par certains effets, à condition de les avoir présupposés.
c'est ce qui se produit dans ces ensembles, ce sont des formations qui n'existent que dans ces ensembles, donc une réalité psychique inconsciente spécifique. Alors, on a essayé de les explorer, par exemple, l'illusion groupale, c'est une formation, les enveloppes groupales, ce sont des formations qui n'existent que dans les groupes, par définition, c'est presque tautologique. Mais ce qui est, à mon avis, beaucoup plus important, c'est la découverte que, pour être dans l'intersubjectivité, condition pour que l'on puisse se devenir « je », se subjectiver, et avoir accès à des processus de symbolisation, pour être dans ce processus singularisant, il est nécessaire que nous vivions, nous soyons immergés dans des processus qui concernent le lien que nous avons avec les autres. Et dire le lien, ça veut dire très précisément des liens d'alliance inconsciente. C'est-à-dire que à deux, à trois, à quatre, plusieurs, nous avons chacun un intérêt à maintenir refoulées ou déniées des représentations inacceptables, à repousser des affects que nous ne pouvons pas supporter, à dénier des perceptions, à mettre en œuvre des processus tels que nous devons ensemble tenir à ces dénis collectifs ou à ces dénégations collectives pour être ensemble. Certains de ces alliances sont défensives, pathologiques, d'autres, au contraire, ont un aspect structurant. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être au monde de la vie psychique sans entrer dans ces alliances qui nous précèdent, comme par exemple ce que Pierre Aulagnier a décrit à la suite de Freud, comme le contrat narcissique, c'est-à-dire le fait que pour que le narcissisme du sujet se développe, il est nécessaire qu'il soit précédé par les investissements narcissiques de ceux qui le précèdent. Mais c'est vrai aussi pour la possibilité de refouler. Si ce qui nous précède, l'environnement premier de l'enfant, n'accomplit pas une fonction de refoulement qui concerne la mère, le père, l'ensemble, auprès de l'enfant, l'enfant va être confronté à des modes de défense extrêmement primitifs feront que, par exemple, plus tard, ça a été montré par une de mes collègues françaises, une adolescente va délirer ce que les parents n'ont pas pu, que la mère, par exemple, n'a pas pu refouler. Donc c'est ça qui est nouveau. Et ce que l'on en tire comme conséquence, parmi d'autres, c'est que ces alliances structurantes forment l'arrière-fond, ou le au-delà qui englobe avec le préfixe « méta », qui inclut donc et gouverne d'une certaine manière comme un cadre l'organisation de la vie psychique personnelle. C'est-à-dire que nous avons affaire non pas à des emboîtements de niveaux de réalité psychique, mais à des articulations entre ces différents espaces psychiques qui ont chacun leur spécificité et leur logique. E da questo punto di vista la sua teoria quindi dell'apparato psichico gruppale con questi tre spazi di realtà psichica richiede un grosso lavoro di articolazione a diversi livelli. In che modo lei può ipotizzare che ciò possa avvenire nella cura psicoanalitica classica e ritiene che la cura in gruppo sia uno strumento particolarmente efficace e utile da intraprendere? J'étais conduit à essayer de me représenter à travers un modèle comment rendre intelligible ce que j'avais découvert, c'est-à-dire le fait que dans les groupes, nous sommes confrontés, nous et les analystes qui travaillent dans les groupes, non pas à un seul espace psychique, mais à au moins trois espaces psychiques. Celui du sujet, dans le groupe, en relation avec le groupe, celui des sujets entre eux, de leurs liens intersubjectifs, et celui de l'ensemble spécifique que forme le groupe. Cet ensemble spécifique que forme le groupe, il a été décrit comme une totalité, donc comme un seul espace psychique pendant longtemps. Ça a été le premier travail de Bion, ou de Fuchs, ou de
ou de Pichon-Rivière, d'Anzieux, et moi-même j'ai contribué à essayer de comprendre, parce qu'il fallait comprendre quelle est la consistance de la matière psychique qui fonctionne dans les groupes en tant que espace spécifique. Et puis, j'ai été amené à considérer que nous ne pouvions pas nous en tenir seulement à cet espace, que dans un groupe, les sujets existent sur un certain mode, qu'ils établissent entre eux des liens, que ces espaces communiquent les uns avec les autres. Non seulement ils communiquent, et ça c'est un premier modèle en quelque sorte qu'on pourrait appeler un modèle des fluides, et chacun de ces espaces se développe là où il y a une possibilité d'extension, un peu comme les gaz investissent des espaces différents pour se répandre, pour constituer ces espaces. Ça veut dire que qu'est-ce que la famille offre comme espace pour que se puisse constituer une réalité psychique telle que, sur ces bases-là, la psyché du sujet va pouvoir se constituer. Ça, c'est un premier modèle qui demande non pas une compréhension en termes d'emboîtement, mais plutôt en termes de circulation, c'est-à-dire ce qui se met en place dans l'espace du groupe, quelle relation ça établit avec l'espace interne. Comment, par exemple, des questions qui ne sont pas résolues, traitées dans la réalité psychique du groupe, se déplacent dans l'espace psychique d'un sujet. Ou comment les espaces qui sont créés dans le lien sont, parce qu'ils ne peuvent pas être traités, sont déplacés du côté de l'espace du groupe. Donc c'est un modèle de communication, c'est un modèle économique, d'une certaine manière, que j'ai trouvé intéressant. Mais auparavant, j'avais mis en place un modèle plus ergonomique, c'est-à-dire un modèle qui prend en considération le travail psychique, pour reprendre les termes de Freud, l'exigence de travail psychique qui est requis de chaque sujet pour faire lien avec les autres, pour entrer dans l'intersubjectivité. Et réciproquement, comment le groupe, la famille, travaille, et établit des modalités de transformation chez le sujet. Là, nous sommes dans une perspective, relative, complexe du point de vue de ces articulations, mais relativement simple à prendre en considération. Ça se complique lorsque ne se produisent pas ces échanges entre les différents espaces, ou lorsque l'un espace prévaut sur l'autre, de telle sorte que les autres, on ne peut pas y avoir accès. Peut-être, ainsi, pouvons-nous comprendre que certains groupes aliènent le sujet dans son statut d'élément du groupe. L'espace intrapsychique est méconnu, il n'est pas rempli, en quelque sorte, par exemple, par l'investissement narcissique des parents sur l'enfant. Et il s'ensuit un certain nombre de troubles extrêmement graves que beaucoup d'entre nous décrivent comme des troubles de la symbolisation, comme des troubles du narcissisme, dans la mesure où les troubles de la symbolisation, comme les codes Dion et en France aussi l'ont montré, sont des troubles qui sont liés à l'absence ou à l'incapacité de l'objet de l'ambiance, de l'environnement, constituer l'enfant comme un autre et de l'investir non pas en fonction des exigences narcissiques des parents, mais comme un objet qui existe indépendamment de soi, indépendamment et cependant lié à soi. Et ce sont ces troubles qui constituent une grande part du malaise, du mal-être dans la civilisation moderne, hypermoderne. Da questo punto di vista lei dà molta importanza in questo lavoro psichico alle formazioni intermedie. E che cosa intende in questa fase dell'analisi della vita sociale, in particolare per formazioni intermedie, che consentono un lavoro psichico che mantiene un rapporto con l'oggetto non me, diciamo. Ta question m'oriente vers des références qui m'ont beaucoup fait travailler, qui sont celles de Winnicott. Mais déjà, on peut trouver chez Freud, chez d'autres également, cette idée que
la vie psychique est une, et c'est ce que j'ai beaucoup travaillé dans cette direction, que la vie psychique est faite précisément d'une matière qui se groupe en quelque sorte et qui exige des relations de connexion entre les objets, de connexion entre la vie fonctionnelle, de connexion entre les affects, les représentations, de connexion entre le monde interne et le monde non-moi, que donc ici ce qui est nécessaire, c'est que se mette en place cette zone transitionnelle ou intermédiaire entre moi et non-moi, entre soi et l'autre, entre les différents dedans dans lesquels nous sommes pris. Nous sommes pris dans plusieurs dedans. Il y a plusieurs dedans qui sont comme des enveloppes successives, avec une porosité plus ou moins grande, qui permet justement que se mettent en place des processus intermédiaires. Je ne sais pas si il y a des objets qui les incarnent, mais ce qui est important, c'est la façon dont se processualisent les rapports entre les différents espaces. Et de ce point de vue, la fonction symbolisatrice n'est rien de la mère, par exemple, auprès du bébé, est précisément cette fonction d'intermédiation entre l'espace psychique, l'espace psychique de la mère, l'espace psychique du groupe et l'espace de la culture. Et ce sont des fonctions qui, dans les groupes, sont extrêmement importantes. Elles ne sont pas seulement le résultat du travail de l'analyste, mais le travail de plusieurs membres du groupe qui se découvrent pouvoir accomplir cette fonction. J'ai appelé ces fonctions des fonctions foriques, par exemple, dans la mesure où certaines d'entre elles vont dans le sens de traduire, de fournir des représentations, de mettre en place un pensoir, comme nous disions, un appareil à penser les pensées. Et d'autres de ces formations, de ces fonctions foriques, sont plutôt des fonctions de délégation sur une personne, et de ce que l'on ne peut pas supporter, par exemple le bouc émissaire ou le porteur des représentations, mais aussi des actions de mort, ou les porteurs de l'idéal, ceux qui sont ainsi porteurs de symptômes. Et possiamo pensare che proprio questo lavoro rappresenti quello che lei chiama la soggettivazione dell'intersoggettività, cioè qualcosa che corrisponde alla creazione del soggetto senza perdere il legame con gli altri, con l'altro. Tout à fait. C'est une façon qui m'est apparue à un moment suffisamment expressive pour ne pas séparer justement le processus de subjectivation comme s'il était autogène. Et alors que tout ce qui va permettre au sujet de devenir « je », c'est-à-dire, comme dit Pierre Aulagnier, qui m'inspire beaucoup dans toute cette direction de travail, qui présuppose qu'il y ait un espace de symbolisation où le « je » puisse advenir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, la subjectivation. C'est l'accès que le sujet peut avoir à sa propre histoire et aux liens qui l'ont constitué, dont il se dégage pour devenir autonome, mais avec lesquels il ne peut pas rompre. Car la rupture, c'est aussi la souffrance et une grande souffrance de notre époque. Da questo punto di vista, come ultima domanda, ritorno alla prima cosa che ha detto, cioè che rispetto al disagio della civiltà di Freud, Romanetti deve affrontare la teorizzazione anche di grandi tragedie collettive che sono accadute nello secolo scorso. E quindi le vorrei chiedere, per quanto riguarda i traumi collettivi, che cosa può fare il processo di soggettivazione? La categoria dell'inumano può essere anche una categoria che viene inclusa in questo? Che cosa pensa? Sur la catégorie de l'inhumain, c'est une catégorie que je trouve excluant de l'expérience humaine, la violence destructrice, et les
tout ce que peut assumer le concept de mal. C'est-à-dire, je reprends ici les travaux de Nathalie Salzman, dont j'ai beaucoup reçu. La notion que le mal, c'est ce qui exclut l'autre de l'humanité. Alors, ce sont des pratiques qui existent, évidemment, la Shoah en est le paradigme, mais le paradigme d'autres expériences de ce type, les génocides, les actions terroristes, les fondamentalismes religieux ou politiques ou raciaux, etc. Mais le mal, en tant qu'il exclut, en tant qu'il réduit l'autre à un radicalement étranger à moi, c'est un mal qui me détruit moi-même. Et il est important d'intégrer dans la catégorie de l'humanité la capacité d'être, entre guillemets, inhumain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, là, être inhumain ? Ça veut dire précisément rejeter une partie de l'humanité avec laquelle on ne peut pas s'identifier. Racamier a développé en France cette idée que un nouveau-né, mais aussi d'autres après être revenus au monde, pour pouvoir croître psychiquement, doit trouver nécessairement quelqu'un qui le reconnaît comme étant fait, c'est l'expression de Racamier, de la même pâte, de la même matière que moi, que nous. Là-dessus, le narcissisme des petites différences commence à faire des clivages, des exclusions. Mais si je ne suis pas reconnu par un autre pour ce que je suis, mais aussi dans ce qui est incomplet en moi, parce que l'autre peut reconnaître sa propre incomplétude, si je ne suis pas reconnu, si la mère ne reconnaît pas l'enfant, et si l'enfant ne reconnaît pas dans le visage de la mère le miroir qui lui est tendu de sa propre expérience d'une forme humaine, alors il y a quelque chose là qui ne peut pas être inclus dans l'humanité. Et au fond, il y a par rapport, par exemple, aux maladies mentales, deux grandes façons de les traiter dans l'humanité. L'une qui rejette, qui exclut, qui crée des espaces de réclusion à la périphérie des villes, c'est comme ça Foucault a bien démontré cela, et puis une autre qui accepte que la folie, que la maladie, fasse partie l'expérience humaine, ici et maintenant, dans ce groupe, dans cette société. Et je pense qu'en Italie, vous avez réalisé, avec beaucoup de difficultés, avec la loi 80, quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire, ici nous sommes dans une maison qui accueillait, dans la ville, des malades, des vieillards, des pestiférés, ils n'étaient pas repoussés à l'extérieur comme étant hors de l'humanité. Et l'hôpital psychiatrique a servi de lieu de discrimination. Et aujourd'hui, il y a des hôpitaux psychiatriques invisibles qui sont ceux que nous fabriquons avec les immigrés, avec les marginaux, avec tout ce qui exclut les minorités sexuelles, générationnelles, culturelles. Et c'est une question extrêmement importante parce que les collègues qui, en tant qu'analystes, travaillent dans les consultations des personnes qui vivent des flux migratoires extrêmement forts et dans des conditions extrêmement difficiles, rencontrent des souffrances qui sont liées à cette non-reconnaissance de l'humain dans l'humain. Et donc là, c'est une des pathologies, une des grandes souffrances du mal-être contemporain. Et on voit ici qu'on n'est pas seulement dans un malaise ou dans une gêne, mais dans quelque chose de beaucoup plus radical. Je veux dire que nous sommes pas seulement dans une crise liée à ces transformations qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais que chacun a en tête. Nous sommes dans une période peut-être de mutation anthropologique, dans la mesure aussi où les techniques, les biotechnologies, dans la mesure aussi où par exemple les manipulations génétiques, posent quand même la question de savoir quelles sont les limites
entre l'humain et la machine, ou entre l'humain et l'animal. Ce sont des questions qu'on ne se posait pas il y a quelques années. Ils se posaient sur le mode spéculatif. Aujourd'hui, il y a des réalisations de ce type. Va bene, la ringrazio molto, professor Paes, anche per quest'ultimo punto che ha illustrato, che ci impegna in un lavoro psichico a continuare a acquisire e includere l'umano nelle nostre menti e nelle nostre case, nei nostri studi, e l'aspettiamo in Italia ancora. Grazie.